Seigneur. Je vous en prie, Sebastiani. Préserve-nous du mal, accorde-nous la santé et garde les fléaux loin de notre foyer. Prenez soin de Lyon, je vous en prie. Il mérite sa place à vos côtés, même s'il faisait parfois des bêtises. Adieu, mon chien. J'espère que Mère n'est pas trop occupée. Ça va pas durer, ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Les gens crèvent de faim. On a de la chance d'être dans cette maison. T'es pas d'accord? T'as bien raison. Ah, Gabriel. Mère est encore à l'étage? Oui, elle y a passé la nuit. Le petit a encore fait une crise. Elle risque de pas être de bonne humeur. Ouais. Est-ce que c'est elle, là? Tu as entendu ce qui s'est passé au village? Tu sais, les gens qui ont été mordus, il y a des enfants aussi, t'imagines? C'est bizarre, cette histoire de morsure. La famine, les Anglais à nos portes, et maintenant des vampires. Oh, nous avons beaucoup péché pour être ainsi punis. De la cannelle. J'avais presque oublié ce que ça sentait. Ils ont bien fait de la cacher. Père sur... Curiosité 1 sur 26. Rares et chères, les épices ne se trouvent pas à toutes les tables. On va revenir sur nos pommes. J'y veillerai. Louise, tu viens de voir ma mère? Tout juste. Vous voulez la voir? C'est important. C'est un ordre de père. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir si vous voulez. Ah, merci. Ça me fait beaucoup penser à Kingdom Come, Deliverance, l'époque. Le napperon que mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Je l'ai cherché partout. Merci, Louise. Oh, de rien, ma douce. Faites-y attention. Donc là, deuxième objet de curiosité. On va revenir un peu sur nos pas. Ouais, on n'a pas été par là. Il y a quelqu'un? Où ça? Il n'y a rien pour vous ici. Fichez le camp. Mais qu'est-ce qui vous prend? Moi, j'aime pas cet endroit. Tu m'étonnes. Pas vraiment les bienvenus. Hein. Je crois que le poulet était mort. C'est du savon? Ne du touche savon. Pas, Hugo. Laisse. Donc, troisième élément de curiosité. Ah, je peux passer par-dessus. On peut pas le laisser. Par contre, il y a une poule qui est crevée. Bon, je pense qu'on a checké la zone. On va continuer. Caillou, je suis full. Donc, tout à l'heure, on a entendu des gens parler. Est-ce qu'on va
réussir à les retrouver. Le village est contaminé. Hein? C'est pour ça qu'il se cache. Oh, ça sent la viande grillée. C'est une fête? Ça ressemble pas à une fête. Oui, j'espère que c'est pas quelqu'un qui est en train de cramer. Oh bordel. Oh. Hey, je vous en supplie, aidez-moi. Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi? Non. Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein? Cette sale vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombé sur Conrad Malfort. Et je vous le dis, c'est le dernier village que vous infectez. Amicia, viens vite. Cours, Hugo. Qu'est-ce qui se passe, Amicia? Parle pas. Elle est tombée sur des tarés. Pourquoi ils sont en colère? Ils vont nous brûler, nous aussi? Oui, c'est ce qu'ils veulent faire. Il faut qu'on se cache, Amicia! Ici, à l'intérieur, vite! Putain. C'est calme ici. Il va nous voir. Ne bouge pas. Je sais pas si je peux leur envoyer des cailloux dans la tête. Je pourrais pas les rater. C'était quoi ce bruit? Ouais, non, je peux pas lui dégommer la tête. Dommage. C'est bon, on y est. C'était rien. On l'a bien eu. Nous voilà. Oh merde. Pas par là. Où est-ce qu'on va? Hugo, cours aussi vite que tu peux. Là, le mur. Ils arrivent. Vite, vite. On n'aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Je pense que ça faut qu'on va la pousser. D'accord. Bien, on peut grimper dessus maintenant. Donc faut faire descendre la caisse et après la faire rouler. Aide-moi à pousser. Oui. Faire le plein de cailloux. Monte, je vais t'aider. On s'en est sorti. On va partir d'ici alors. S'ils nous retrouvent pas d'ici là. Mais t'as la fronde, tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Oh. Ah putain, elle balance. Vite, les chiens, vas-y, grimpe, passe devant. Elle a pas l'air solide, Amicia. On a faut y aller. Elle va casser. Ça va aller. Ah là là, sa mère. Je te l'avais dit. Ça change tout de la voir. Me laisse pas ici. Amicia, viens, sur le côté. Oh, tu es là. J'ai trouvé ça pour que tu montes. Bonne idée, je vais la faire tomber. Fais attention. Putain.
Allez. Trop fort le frangin. Tiens, bravo. J'ai eu peur. Je suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, on peut pas. Pas sans Laurentius. Amicia, cachons-nous. Alors, ils sont passés où? Conrad, on a encerclé le quartier. Ils étaient juste là, il y a 5 minutes. Vous encerclez un quartier à vous deux? C'est quoi cette blague? Non, t'es rien. Les autres et bloquez-moi ces ruelles. Si j'attrape ces deux marmots, je vais les renvoyer en enfer. Morceaux, ils sortiront pas d'ici vivants. Pareil vénère, Conrad. Il va. Conrad le connard. Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort. C'est pour ça qu'il a la rage. On fait la chasse. Amicia, ta fronde fait trop de bruit. Tu reste... T'es trop ça normal, une fillette et un enfant ici par les temps qui courent. Sûr qu'ils sont sortis. C'était quoi ce vacarme? L'empaume. Faut que je la tire là-haut. Il y a eu un bruit. Je suis pas dingue. Tu as raison. On est passé. Oh non, encore. Merde. C'est par où? Tout droit. Je sais pas. Tout droit. Pas trop de choix. Y a aucune issue. Oh non. Vite, s'il te plaît. J'essaie. Ferme derrière. Non. Ça ne va pas les retenir longtemps. Vite. Ils savent qu'on est là. Je sais pas. Non, elle est bloquée. Hugo, passe par là. Ouvre-moi. D'accord. Ouais. Je veux dire, moi, je passe là-dedans. Ils ont coincé une planche. Tu peux l'enlever? Je sais. Fais vite. Vite, Hugo, je t'en supplie. J'arrive pas. Hugo, il est là. Hugo, fais vite. Oh, putain. Oh là. Dépêche-toi. Je dois m'arrêter. Ah oui, c'est vrai, il est pas bien. Continue, Hugo. Encore un tout petit effort. Pas le moment de nous faire une crise. Une impasse. C'est la fin. Merde. Vite. Ah. Vous n'avez rien à craindre. Oh merci. Entrez. Oh elle est gentille. Elle. Seigneur, c'est le coin le plus infecté. Putain. Du village. Ils sont où? On dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Chut. Bah dis non. Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trempé. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous dans un coffre. Vous êtes sûr? Elle est drôlement gentille, hein. Merci. C'est mieux. Et toi? On doit aller chercher maman, Amicia. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête. On va se faire attraper. Hugo, on fera ce qu'elle a dit. Ne discute pas. Hugo, attends. Tu m'as bien avoir vu quelque chose. De l'encens. Le même que mère utilisait. Elle est sympa, cette nouvelle tenue. Quatrième curiosité, les alchimistes le savent et le peuple commence à s'en douter, le mal n'existe pas que dans le corps des personnes affectées.
Passe devant. On va passer en même temps. Voilà, arrête synchro. Je passe devant. Oui, oui. Attendre que le truc revienne. Il y a un chemin. Ils font trop de bruit. Hugo, calme-toi. Ficelle. Ah. C'est quoi? J'ai... On peut l'utiliser sur les rats? Non, ça sent la bière. Il devait embrasser. Curiosité, le cinquième. Dans les monastères, lieu de quiétude et de prière, on observe une véritable culture de l'artisanat et de la création, qu'elle soit culinaire, textile ou artistique. Bon, par contre, c'était pas notre voie de sortie, donc... Voilà, on va profiter d'être sous la lumière. Vite, 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 vite. J'ai l'impression de passer à côté. Oh merde! Oh non! Oh là là! Dans la lumière, vite! Oui, oui, la lumière. Je ne vois pas de torche! Comment? Comment on va faire? Ah, du salpêtre. Je sais pas si c'est pas ce qui me manquait tout à l'heure. Oh non, il manque toujours un autre truc. Bon, on restera sur cette vilaine frustration. Lumière, il y a peut-être des choses à. Ah, on peut peut-être leur donner un becté. C'est bon, ça a l'air de les occuper. Ouais. T'es sûr? Un autre jambon, ça devrait aller. Allez, viens. On continue. En bas, les trois saints. On se rapproche de la sortie. D'accord. Soyons prudents. Putain, ils sont encore là. Ils ont l'air d'avoir faim. Hein. Pas de truc sur lequel je peux tirer. Enfin, monter sur les tables. Trop fort. Si on va par là, on sera à l'abri. Il faut pas tomber. Pas tomber. On va pas tomber. Tiens bien ma main. Ouais, par contre, là... La torche. Il y a un trou dans la grille. Je vais soulever ça. Tu peux prendre la torche? Oui. Ah, c'est lourd. Hugo, fais vite. Allez. Oh merde. Ça va? Oui. Reste où tu es. Le sol est pourri. Amicia, comment je vais revenir? On va trouver. Ne panique pas. Avec la torche, tu ne crains rien. Oui, mais toi alors? On va avancer ensemble. Comme ça, la lumière me protégera aussi à travers la grille. D'accord? D'accord. Voilà, on y va, doucement. C'est très bien. Ils sont proches, hein. Regarde, il y a un trou là. Tu veux la torche? Oui, il y a trop de rats de mon côté. Et moi, je passe par où? Le trou derrière toi. C'est la seule issue que je vois.
Passe par là et je te rejoins de l'autre côté. T'es sûr? Si tu vois des rats, tu t'arrêtes. J'arrive tout de suite. D'accord, mais tu fais vite. Il faut que je me dépêche. Merde! Hugo! Qu'est-ce qui se passe? Hugo! Parle-moi! Allez! Allez! Je vois pas où il est. Je prends pour un autre. Ça va m'aider, ça. On va te descendre de là. Calme-toi, Alicia. Hugo va bien. Tu vas bien. Reste concentré. J'ai l'impression que c'est la sortie, en fait. Donc faut que j'aille là et faut que j'aille allumer le... la torche là-haut. Je peux le faire descendre également. Ces brindilles brûlent trop vite. Hein? Je ne pourrais pas les repousser assez longtemps. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Ah, nice. Parfait, merci. Non, j'aurais juré voir des brindilles plus proches. C'est pas grave. C'est bon, tu peux descendre. Désolé. J'aurais pas dû te laisser tout seul. C'était trop risqué. C'est pas grave. Je peux pas savoir, hein. Allez, monte. Oui. Bizarre, l'interaction a eu du mal à... Je connais ce dessin. Un tabard de croisée. Tabard de croisée. C'est par là. Trop besoin d'objets. Ah là là, outil. Souffre. Donc. Curiosité, tabard de croisée. La dernière grande croisade date d'un siècle déjà et l'église fait face à des nouveaux périls. Maladies, famine, guerre, etc., etc. Mieux vaut continuer à avancer si on veut arriver avant la nuit. Parvenir sur nos pas. Là-haut, un moulin. C'est la ferme de Laurentius? J'espère. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent, tu en verras un très bientôt. Hugo, où tu vas? J'ai peur. Oh, des bulles! Il y a des bulles qui montent! Il y a des poissons? Oui, Hugo. Mais c'est quoi? Un poisson, une grenouille, je sais pas, moi. On n'a pas le temps de s'arrêter. Allez, viens. Mais j'ai jamais vu une grenouille, moi. Les panoramas sont superbes, hein.
Oh là, il y a un feu. Dit feu, dit éventuellement des gens. C'est quoi? Une sorte de peau. Ça a l'air bizarre, ce qu'il y a dedans. Ouais, laissons ça là. Quelqu'un est venu lire un livre ici. Du sang. Ouais. Alors donc là, famille curiosité, vase hermétique, récipient en terre utilisé pour travailler la matière alchimiste. Cuite ou travaillée à l'acide et protéger son utilisateur des vapeurs ou des projections. On va aller dans la maison en dernier, continuer de faire notre petit tour, si on peut farmer des objets. C'est ça qui a l'air très lourd. Des céréales à varier. Ça doit être pour le cochon. Vide. Le cheval. Les rats ont dû passer par là. Putain, ouais, il a été... Le pauvre. Bouffé, il reste plus rien. Monter là-haut. Vas-y, monte. D'accord. Pas l'air d'y avoir grand-chose. Hein. Caillou, on est full. Merde, on peut pas sauter, puis c'est vrai qu'avec le petit, c'est pas... C'est pas non plus conseillé si je veux lui péter les genoux. Bon, on va redescendre. J'ai vu une caisse là-haut. Je passe devant. Oui, oui. Fermé. On doit trouver le moyen d'entrer. J'ai vu une deuxième porte tout à l'heure et une fenêtre. C'est fermé. J'espère que là, on passe. Tu vas rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent, d'accord? Oui. C'est bien. Ça y est. On est dans la place. Pas faire de bruit. Il a l'air d'être en face là-haut. Ce dessin, ça représente quoi? En tout cas, c'est joli. Vitriol, famille curiosité, abréviation d'une formule latine visita interiora terrae rectificando ivignes. Putain, j'aurais jamais dû me lancer dans la lecture de ça, je suis pas du tout aguerri dans le latin. Cultum lapidem, qui signifie « explore l'intérieur de la terre ». Un truc là-haut. Ah, il faut que je. J'ai déjà fait avoir. Vas-y, monte. D'accord. Il
J'ai plus de poterie. Par où on va passer? Ils sont partout. J'ai vu un petit chariot. Dernier check, on sait jamais. Il y en a un aussi là-haut. Putain, ils ont l'air d'être chaud patate les... Il y a un truc qui brille également. Je peux le pousser ça? Interaction est pas possible. La voie est libre. Désolé mais c'est pas possible de venir. Ah merde! Il a pas suivi cet andouille. C'est bon. Venez. Oui. Allez. D'accord. Ça fait gaffe, il était pas là. Va pousser. Je vous aide. Attention, ne te brûle pas. On fait trop de bruit. Ils vont nous repérer. Oui. Qu'est-ce que c'est? Allez, bon, suivez-vous. Viens m'aider. J'arrive. J'espère que ça vaut le coup au moins. Oh. C'est une faux. Ils se battent avec ça. Aussi, là. Tout le monde n'a pas de quoi acheter une épée. Ça c'est neuf. Famille Curiosité. Outil servant au ramassage du blé, faisant ici office d'arme de fortune. Qu'à choper, hein. Allez, où on grimpe? Oui. Baraque. Par où ils veulent que je passe? Ah oui, d'accord, ok. Ils ont des bâtons dans le ventre. Ne regarde pas. Essaie d'ignorer tout ce que tu vois ici, Hugo. Ça va pas être facile. Hein. Alicia, la tour. Oui, j'ai vu. Restons pas là. Ils ont l'air de s'être barrés aussi d'ici. Il y a peut-être des trucs à... Alicia. Il y a quelqu'un là-bas. Oh non! C'est quoi cette corne? Je crois que ça s'appelle un olifant. Ce devait être quelqu'un d'important, sûrement un capitaine. Olifant. Catégorie. Curiosité, le dixième. Facilement transportable, capable d'une seule note, mais perceptible de très loin.
qu'on a de beau? Ficelle. Des pièces. Tu ne les prends pas. Sterling. La monnaie anglaise. Je touche pas à ça, moi. Trop fort. Livre sterling, plus ancienne monnaie encore en circulation, la livre sterling était déjà largement répandue à la fin du 11e siècle où elle représentait à elle seule 15 tonnes de métal. T'es sûr de ce que tu fais? Oui, je suis sûr. J'en ai assez de fuir. Allez! Et faites attention aux dents! J'en ai encore. Putain, on peut pas passer. Et toi, tu m'entends? Qui a fait ça? Il faudra faire mieux là. Laissez-nous en paix. C'était. Quoi? Tu veux gagner la guerre à toi toute seule ou quoi? C'est un peu ça, ouais. Mellie, tu peux t'en charger? D'accord. Pour regarder un peu s'il y a des trucs à choper dans les tentes. Calme. Aucune trace. Peut-être qu'elle est toujours près des cages. Descendre un niveau. Soldat, qu'est-ce qui t'est arrivé? Où est-ce que tu te planques, hein, assassin? Attends, à quoi je te trouve? Allons jeter un œil. À la garde! Waouh. Je regarde qu'il n'y en ait pas d'autres de l'autre côté. On va se faire oublier deux secondes. Hein. C'est quoi ça? C'était quoi ça? Merde. Les importants! Attrapez-les! Avant qu'il le. Ils sont tendus dans ce camp, je comprends pas pourquoi. C'est assez sympa ce petit passage, on peut. Alors, je vais pas dire tous les zigouiller, mais. Je pense qu'on va pouvoir poursuivre la fouille du camp plus sereinement. T'as pu visiter toutes les tentes. La déclaration de guerre des Anglais aux Français. Édouard III revendique la couronne de France. Moi, quand je veux un truc, je déclare pas, je le prends. Oui, mais toi, t'es une voleuse. Lui, c'est un roi. Quelle différence. C'est vrai. Quelle différence. Déclaration de guerre. Le casus belli servait de justification officielle à un conflit entre souverains, même s'il arrive souvent que sa légitimité soit discutable. Au fait, qu'est-ce que vous foutez avec l'Inquisition aux fesses? Il a quoi de spécial, le petit? C'est... compliqué. Et ton frère? Ça va aller? Il nous rattrapera. Il nous a vraiment sauvé la vie. C'était incroyable. Hé, tombe pas amoureuse, t'as compris?
ou il brisera ton petit cœur. Quoi ? Mais non ! Hé ! Un moulin ! Ouais. On va traverser par là. Waouh ! Il est toujours... comme ça ? Il a pas beaucoup vu le monde. C'est pas le meilleur moment pour commencer. C'est clair. Le premier au moulin a gagné. Viens vite. C'est fermé. Ouais, laisse-moi faire. Bol. Crocheteuse. Ouvert. Calme. Elle est géante, cette roue. C'est pour écraser le blé. Comment on va faire pour passer ? On doit arrêter la roue. Et comment on va l'arrêter ? Amicia, on va trouver un moyen. Première étape, on regarde les décors et on voit comme c'est joli. Vas-y Hugo, d'accord. Je peux l'arrêter. La roue, elle ralentit. Ouais, un peu d'optimisme. Il n'y a plus qu'à traverser. À toi, Amélie. Bon, on va voir si ça tient. C'est pas aujourd'hui que je prendrai un bain. Attends. Oui. Te laisse faire, Hugo. Bien. Ça, je vais pouvoir lâcher. C'est sympa, ces systèmes d'interaction. C'est vrai que c'est sous forme d'énigme, mais... ça a du sens, c'est bien. Le pont-levis est abaissé, princesse. Tombe pas à la flotte. Tout le monde lâche maintenant. Et voilà, tu vois, c'était pas dur. Les câbles. On a battu le moulin. Si jamais l'Inquisition arrive jusqu'ici, ce truc-là les ralentira à coup sûr. À choper par là. Ce que je voulais faire. T'as l'œil. Merci. Viens, Mélie, on va essayer de monter. Ouais. On revient vite, promis. D'accord. Ouais, il reste pas grand chose non plus. Je vais en faire à cheval. Nice. Alors, un fer à cheval. Chasseur de curiosité. On est riche. Même si on n'est pas riche, un peu de veine nous ferait pas de mal. Si la chance se trouvait sous les sabots des chevaux, les maréchaux ferrants dirigeraient le monde. Joli jeu de mots. Catégorie curiosité, avec l'amélioration de la qualité de la vie, la population augmente plus rapidement que la production de nourriture. S'additionnant aux différents fléaux qui s'abattent sur les récoltes, la famine prend alors une ampleur dramatique, poussant pauvres et riches à la suppression. Sans office de porte-bonheur, le fer à cheval reste néanmoins une pièce de ferronnerie coûteuse et cruciale au métier agricole. S'en servir pour attirer la chance représente un important sacrifice pour un paysan. Chez les Anglais, on les aurait déjà pris. Nicolas va être furieux. Ça va faire mal.
et Vitalis. Le capitaine de la garde fait peur, c'est sûr. Et merde. Le vieux, crois-moi, quand il a pas ce qu'il veut, il a le bûcher facile. Dis donc, petit, tu dois vraiment être spécial pour qu'il te cherche tous comme ça. C'est pas ma faute. Et il est humble avec ça. C'est quoi ce bruit? Ah, si ça va être suffisant. Par ici, vous autres! Et oui, on va serrer les fesses jusqu'au dernier. Des cailloux. J'espère qu'il y a quelques trucs sympas à prendre dans le coin. Une carte. Une carte de France. Mais qu'est-ce qu'il mijote ? Curiosité. Répandue parmi les milieux nobles ou savants, les cartes sont rares et chères, et en plus d'être imprécises, c'est pourquoi les panneaux directionnels pratiques et peu coûteux se multiplient à l'intersection des chemins. Pour l'instant, il n'y a rien à choper de particulier en plus de ce qu'on a pu prendre. Un lion vert qui dévore le soleil. J'espère que ce n'est pas une prophétie. Alors qu'est-ce que ça nous dit à propos de ce lion vert ? L'alchimie fascine autant les hommes de science qu'elle inspire les artistes. Le symbole récurrent du lion dévorant le soleil est une allusion à la dissolution alchimique. Cette opération durant laquelle le vitriol s'attaque au soufre a pour but de séparer les substances brutes des substances subtiles. Amicia, viens, on fait tous les deux. Ça va, on rigole bien. Je suis sûre que l'Inquisition aussi. Mellie, alors t'es pas partie? Viens. Faut qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que ce château est une ruine. Ah. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sages et ça ira. Alors, tu vas partir chercher Arthur ? Si je peux aider ? Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir ! Écoute... Avec Hugo, ça a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois, t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia. Je te crois. En tout cas, pars pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia, viens, s'il te plaît. Oui, Hugo. Qu'est-ce que tu as trouvé ? Interaction, là. Manuel de la langue des oiseaux. Peut-être de la poésie ? Le petit cerf qui est apparu. Alors, catégorie curiosité, les alchimistes, dont les pratiques sont considérées comme occultes et dangereuses par le plus grand nombre, déploient des efforts considérables pour décrypter leurs travaux. C'est quoi ?
Ah, je peux peut-être lui niquer sa torche, allez. Non, j'ai pas. Hein. Je vais faire un tour par là. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Oh, il y a même un petit enfant. Passer là ou pas? Il y a bien un coffre. Ça a l'air chaud, mais oh, qu'est-ce que ça sent fort? Avant que le fléau ne prenne des proportions incontrôlables, cochers et bergers étaient souvent épargnés, protégés sans le savoir par la forte odeur des boucs, moutons et chevaux auprès desquels ils vivaient. Il va falloir le savoir. Une charrette. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Question, c'est ce qu'il y aura des trucs Attention les ratatouilles. Là j'aurai accès à l'herbe, il en reste. Ça m'emmerde parce qu'en fait le truc qu'il me faudrait le plus c'est de la... Comment ils sont essayés de me becquer. C'est un truc pour les détruire en fait. C'est un truc pour les détruire. Doris ne les retiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer une fois pour toutes. Voilà. Réfléchis, Amicia, réfléchis. Tu peux attirer ces rats où tu veux. Tu dois les coincer. C'est là où je dois les... Les faire là-haut. La lanterne, vite. Voilà, comme ça, ils sont bloqués là. C'est pas les 2-3 ratatouilles qui traînent encore qui vont me... Qui vont m'embêter. Ah, j'avais pas vu là, y'en a. Donc là, ils sont coincés. Je vais montrer. C'est pas par là qu'il y avait un... La fameuse porte qui était fermée avec un truc à choper. Mmh.
Est-ce que c'est bon? Oh, comme si cet endroit n'était pas assez sinistre. Celui-là, fallait le mériter. Hein. Heureusement d'ailleurs que je l'ai vu à travers la fenêtre, parce que sinon, on aurait pu allègrement passer à côté. Morceau de transis. Les transis sont une version détournée des gisants, ces 10 édifices mortuaires dénués de corps ornés d'un bas-relief dépeignant un défunt dans une position paisible. Même quand le grand inquisiteur te parle de sauver ton prochain, faire le tour de l'autre côté. Non, c'est limité. Je sais pas s'il y a des objets. Puis ça, je peux pas le sauter. Bon, bah, pas le choix. Roderick, on dirait qu'on a tous les deux des ennuis. Son sang s'affaiblit. Combien de temps l'épisanguis peut-elle contenir la morsure? Tant que sa foi le lui permet. Il exploserait bien le crâne à lui, c'est par plaisir. C'était quoi ce bruit? Vous faites bien de... Vous voilà. Pas trop fort. Bougie. Bon, on va pouvoir se balader accessoirement avec plus de liberté également. Signe de tir. Il n'y avait pas grand chose. Ils ont favorisé le fait qu'on puisse. Hein? Je vais dire passer en stealth, mais non, il y a quand même quelque chose ici. Alors, comment est-ce? Positionner, il me tourne le dos. Alors c'est lui qui a fabriqué la porte. Ouais, et il va l'ouvrir. Avec le livre et le gamin de runes, Vitalis accomplira la conjuration. Alors nous serons sauvés du fléau. Ad ignem. Ad lucem. Oh, bien dit. Avance. Tu sais, mon ami et moi, avant on s'occupait des hérétiques au bastion. On a fait parler des braves. Les gaillards les courants et qui vont attaquer assez vite. Du chien comme tous les autres. Ah, j'ai hâte. Là également de l'autre côté. Si je peux passer sans qu'il me voie, lui. D'un écorché, ouais, effectivement, c'est pas... C'est peu commun. Les autopsies étaient formellement interdites par l'Église, l'étude du corps humain en est encore assez balbutiement. Affolé par les gravités de la situation, le pape Clément VI publie alors une bulle pontificale autorisant les médecins à ouvrir les corps des défunts afin de mieux comprendre et combattre le fléau. Bibliothèque? Sous la bibliothèque? C'est des livres interdits. C'est pour ça qu'on a bâti la porte. Alors, le Sanguinis Itinera doit forcément être ici. Je sais juste qu'il a une couverture rouge. Regarde, là-haut. Des roses. Ça doit être lui. Je dois monter. D'habitude, je vais faire mon petit tour. Là, il y aurait bien un truc à faire tomber là-dessus. Ce qui nous permettra de... Je vais déjà faire un tour avant de toucher. C'est trop haut. J'ai besoin de quelque chose pour me hisser. Toucher à des trucs parce que
fout pas le bazar. Calme. Oh, je veux pas y toucher. Teriyak. Qu'est-ce que ça nous dit ? Décoction composée de plus d'une cinquantaine d'ingrédients végétaux, minéraux et animaux nécessitant d'un an de fermentation pour que ses propriétés soient complètes. Contre le grand mal, elle aurait pour effet d'accélérer le développement des bubons, permettant ainsi d'évacuer l'infection après incision. Oh. Est-ce que c'est fini ? On dirait. Il nous a sauvé la vie. On fêtera ça plus tard. Il faut qu'on atteigne la chambre. C'est la fenêtre juste au-dessus. Tu devrais prendre la torche. D'accord. Je vais nous guider. Merci. Là un petit peu. Là où il y avait le père. Père, ils ont pris son corps. Ils me l'ont pris. J'aurais dû l'enterrer. J'aurais dû. Désolée, je suis désolée, Amicia. S'il vous plaît, qu'il repose en paix. Il y en a un paquet, hein. Celui sans armure. C'est un de nos servants. Mais attends. Oui, les gardes ont été dévorés, mais pas lui. Pourquoi ? Ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si je le savais, la brisure. Ces remous continuent de se propager dans le temps. On arrive quand même à en buter quelques-uns, hein. Bon, il y en a tellement que c'est un peu comme pisser dans un violon, mais bon. Aussi. Oui, il les évite. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est bizarre, hein. C'était à ton père ? Oui. Casque de Arnon. Du temps de ses guerres aux côtés du roi Philippe. C'est un grand chevalier. Bougies. Alors il ne sera pas oublié. Atelier curiosité. Ensemble d'armures pensées pour les chevaliers leur permettant de monter leur destrier tout en assurant une protection presque totale de leur corps. Ça, c'est le Sudatorium. C'est ici que les Romains venaient transpirer. Grâce à de la vapeur, oui, c'était... Oh, regarde, ces sculptures ! Quoi ? Des animaux alchimiques. Ces symboles me fascinaient. Il y en a aussi dans les deux autres bassins. Trois symboles, quatre sculptures. Il y a du feu là-dessous.
Alors, on doit pouvoir éclairer les autres. Il doit y avoir un moyen d'y accéder. Il y en a même ici. Le crapaud, toujours aussi moche. Signe. Le signe, imposant et gracieux. Lucas, une autre fresque. Une femme enceinte. Mais c'est pas tout. Regarde, à côté d'elle. C'est une sorte d'alambic, non? Une alchimiste? Exact. Le travail de la matière alchimique est souvent comparé à la fécondation. Le creuset ou le four à l'utérus. Ou alors c'est peut-être seulement une alchimiste enceinte. Pas seulement. Ce temple est celui de ta mère. Et le fait que ce soit une femme n'est pas un hasard. C'est un lieu important. Tu dois avoir raison. Lion. Là, près du symbole éclairé. Les dalles se sont affaissées. Je pense que tu peux passer. Je vais descendre. Ah, là-bas, il y a un trou, effectivement. Entendu. Faisons un petit tour. Le serpent, il m'a causé quelques cauchemars, celui-là. Tu m'étonnes. Bon, ok, on se lance. Oh, il manquait plus que ça. Hé, qu'est-ce qui se passe? Putain, il y en a partout. Ça grouille. Il y en a partout autour de moi et j'y vois rien. Allez. C'est parti. Je vais essayer de te guider. Et comment tu comptes faire ça? La lumière. J'attends près des bassins. Courage. Non. Je reviens. Même joueur. Joue encore. Oh bordel. Tu vois quelque chose? Et moi une, hein. Je vais aller par là, mais j'y crois pas. Tu t'éloignes. Attention. Oui, je reviens. Tout va bien. On y retourne. Tu approches de l'autre symbole. Continue. Je fais aussi vite que je peux. La purification. Tous les bâtons sont éclairés. Tu peux revenir. Il faut que j'arrive à sortir d'ici. Tu y es prêt. Merci, Lucas. Continue de me parler. Du matos. Je sais pas. J'aurais jamais cru qu'on survivrait jusqu'ici. Que je me retrouverais là. Laurentius m'a appris le monde à travers les livres. Mais la réalité, c'est autre chose, hein. Oula, attention, je suis un peu près. Rien de tout ça n'a l'air réel. Ah, peut-être là-bas. Non. C'est une connerie, ça. On revient. Ça pouvait sembler être une bonne idée au début, mais... Allez, on go back, on est sûr. Révéler la purification, la purification et la sublimation. Crapaud, cygne, serpent sont exposés à la lumière. Donc notre ami le lion doit cacher quelque chose. Dans sa gueule, peut-être? Aidez-nous, mère. Vas-y. Tu vas percer son secret, Amicia. Tu l'as mérité. Ça quand il fait nuit. On n'y voit rien ici. Ça a l'air immense. Garde tes munitions. Je m'en occupe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des produits de complément, des stabilisateurs, des réactifs, des matériaux nobles. Bah, j'ai tout de suite cherché supérieur à ce qu'on a vu dans la chambre.
On est sur la bonne piste. Bien. Bien. Tu peux tout allumer. Tiens. Amicia, ce sont des notes de ta mère. Tenter une nouvelle transformation, mais l'élixir est incomplet. Le flambeau du porteur se dérobe, laissant mon fils dans les ténèbres de la Macula. Elle était sur la voie, Amicia. Ce que l'on cherche est forcément ici. Mais où ? À quoi ça ressemble ? Là, il y a quelque chose, on dirait. Une autre fresque. Un enfant, dans les bras de sa mère. Mais... ces marques sur son torse, Lucas. La Prima Macula. Mais cette fresque a au moins 8 siècles. Pourtant, ça a déjà eu lieu. Oui, mais combien de fois ? Qui sait ? Sanguinis itinera, les voyages du sang. La Macula voyage à travers l'histoire. Elle a déjà changé le monde et elle le changera de nouveau. Cette boîte porte un phénix, le symbole du grand œuvre alchimique. Amicia, je crois qu'on a trouvé. À toi de l'ouvrir. D'accord. J'ai déjà fait le tour, hein. Vu que ça brillait de partout. C'est un arbre généalogique ? Ouais. On dirait celui de ma famille. Il avait disparu. Le chemin qu'a pris la Macula jusqu'à Hugo se trouve là. Et mère cherchait sans doute à le trouver. Vingt-deuxième objet de curiosité. Arbre généalogique. La généalogie est une tradition millénaire perpétuée depuis les Égyptiens et mentionnée dans la Bible. Ah, ma tête. Ah, doucement. Doucement. Ne t'arrête pas. Continue. Hugo ! Où est-ce qu'il a pu aller ? Réfléchis, Amicia. Réfléchis. Qu'est-ce que... un village ? Ouais, c'est bizarre, ouais. Au milieu de la forêt. Là, vous avez vu Hugo ? Tu lui as encore crié dessus ? Non ! Non, pas du tout ! Oh, les temps sont trop durs pour se disputer. Mais on ne disputait plus ! Amicia, un enfant ne s'enfuit jamais sans raison. Ouvrez-moi ! Je vais le retrouver ! Bien, mais sois prudente. Un mauvais vent arrive, Amicia. Qu'est-ce qu'on a là ? Pas de matos. Sa poupée. Ah. Il l'aurait jamais laissée comme ça. Poupée de chiffon usée offerte à Hugo par des amis de la famille. Les jouets n'étaient pas encore des objets de commerce très répandus. Ils sont faits à la main par des artisans, les servants des domaines les plus aisés ou encore par les parents eux-mêmes. Ouais, c'est très étrange, je trouve, de la voir ici. Elle. Bon, je suis content de la revoir, hein, mais... Qu'est-ce qui se passe ? Amicia, je t'attendais. Viens avec moi. Laurentius ? C'est vraiment vous ? Ouais, c'est un rêve. Maintenant, j'en suis sûr. Il est parti. J'ai pas trop de doutes, mais là... Je savais bien que ça arriverait. Pourtant, j'ai veillé sur lui. Pourquoi est-il parti d'après toi ? Je sais pas, j'ai tout fait pour le protéger. Même des choses horribles. Il est facile de faire couler le sang. Mais aimer, protéger. Je vais le retrouver. Alors va
Et prie pour qu'il soit encore temps. Maman, j'entends du bruit dehors. Hugo, c'est lui. Mère, Amicia, viens ici. On est chez oui, nous. Mère. Ton frère est là. Il va bien? S'il est revenu, c'est qu'il ne va pas bien. Mais pourtant, j'ai tout fait. Tu lui as caché la vérité. Mais... ses émotions, Amicia. Je t'avais prévenue. Laissez-moi le voir. Il ne souhaite pas te voir. Avec qui tu parles, maman? Je dois le voir. Il n'a plus besoin de toi. C'est faux. Alors vas-y, vois par toi-même. Je vais aller dans la pièce avant d'aller le voir. Ici qui se retourne et qui m'attaque, s'en bouffe tout dans Ghostbuster. Oh. Quelque chose là. J'ai rien pu récupérer depuis le début à part des objets. Alors on a quoi, une statue? Oh, une figurine de chevalier. C'est un de ses jouets. Qu'est-ce qu'on nous dit? La figurine chevaleresque est très importante dans l'imaginaire de l'époque, forgée par des siècles de mythes, mais avant de devenir le symbole d'idéaux chrétiens et courtois popularisé par les moines copistes, le chevalier est d'abord un guerrier à cheval qui se bat pour un ordre laïque ou religieux ou pour le compte d'un seigneur dont il est le vassal. Allez, on continue. On va revenir dans l'allée principale. Il va falloir faire un petit détour. C'est quand même rageant de ne pas voir la conjuration près. L'important c'est que le grand inquisiteur se débarrasse de la morsure. C'est quoi ces tremblements? C'est marrant, les particules. Juste en dessous. C'est eux qui ont tout détruit. Dans l'air, c'est assez sympa. Regardez le sol. Alors lorsque vous maintenez contrôle pour viser avec le rat, une fumerole rouge indique d'ailleurs piégé sous le sol. Ils sortiront pas tant qu'il y a de la lumière. D'accord. En train de me dire comment ils veulent que je... Olé. Oh, waouh. Tu ne crains rien. Reste près de nous. Sors de toi. Oui. Il m'écoute. Eh ben... c'est impressionnant ce pouvoir. Hein. Par là. Je pense que ça on va en avoir déjà un petit peu. Si j'étais toi, je toucherais pas. Pourquoi? Les flash et lance fouette jusqu'au sang avec. On doit être plein de bouts de chair. Ah, je vois. C'est bah. Dégueu. Alors, curiosité, c'est l'avant-dernier. Face à la multiplication des ordres et des cultes, l'Église implore l'Inquisition de punir l'hérésie jusqu'à ses racines en chassant Dolciniens, Fraticelles ou Flagellants. Arrête de... Fais-moi les pierres. Je voulais tirer dans le... dans sa lanterne, quoi, deux fois dans sa tête. Par contre, je savais pas que deux cailloux dans la tête avaient le même effet. Ah, encore un chariot. Bon, là, c'est sûr, on va pas pouvoir grimper dedans. C'est bien dommage. C'est bizarre de pouvoir se balader au milieu des rats comme ça, alors enfin, tout le jeu, on... ils nous ont cassé les pieds comme c'est pas permis.
manuel de l'inquisiteur. T'es sérieuse? Collection vraiment de un manuel? Ah, c'est le dernier. Il a été écrit avant Vitalis. Eh ben, on va faire en sorte qu'il y ait pas de suite. Il lui manque un morceau, gars. Enfin, non, tout est là, mais il manque un petit chien. Il est juste devant la cathédrale. Waouh. Ah, belle image, hein. Donc, curiosité, la dernière, et on a tout récupéré. Manuel de l'inquisiteur Bernard Guidoni, inquisiteur du Languedoc, rédige au début du 14e siècle un manuel à l'intention de ses pères français comme une aide à leur travail. Faisant office de code juridique, il liste les hérésies à condamner, les peines correspondantes et le déroulement des procédures. Pas de soucis d'éthique, il favorise le bien commun plutôt que celui de l'individu et préconise des sentences cruelles à but d'exemple qui terrifient le peuple.